Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale car nous sommes le 13 février et donc demain c'est la Saint-Valentin. Pour cette vidéo on a décidé avec Jérémy, mon copain, de tester un hôtel de luxe à Paris. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas payé, mais ce n'est pas un partenariat genre on m'a proposé nanan. C'est moi qui les ai contactés en leur expliquant que je souhaitais faire cette vidéo et je leur ai bien expliqué que j'allais donner mon avis 100% honnête. S'il y a le moindre problème je vais vous le dire, il n'y a aucun souci. Je trouvais ça sympa de les contacter, voir ce qu'ils proposaient pour la Saint-Valentin, etc. Et du coup de vous montrer ça en vidéo. Si jamais ça vous intéresse, let's go. J'ai trop hâte. Merci. Vous avez réservé pour une nuit? Oui. Parfait, merci beaucoup. On vient d'arriver dans la chambre, elle est énorme. Ça n'a aucun sens. C'est beaucoup plus grand que chez moi. Là, t'as juste des toilettes. Là, notre salon. Incroyable, mais c'est incroyable, c'est trop beau. La lumière qu'il y a, t'as vu les fenêtres? Et en haut, tu veux venir avec moi ou pas? Je suis jamais allée dans un hôtel comme ça. Incroyable, incroyable, incroyable. Et la salle de bain, ouah, mais elle fait la taille de mon appart. Elle est énorme. Trop beau, c'est trop beau, on dirait un sauna. C'est hyper hyper beau, je suis jamais... T'es déjà allée dans un truc aussi beau? Non, surtout pas à Paris. Test du lit, avec mes vêtements. par contre le lit c'est un nuage. J'ai hyper soif, je vais m'hydrater avec l'eau à 1000 €. J'allais boire la bouteille. Il y a des chocolats, ils savent comment nous parler. Celui-là je pense qu'il est trop bon. C'est genre du chocolat. Je suis trop contente. Vous savez, le monde des gens qui vont à l'hôtel en vacances, tout ça, moi je connais pas. J'ai jamais connu. Et du coup, je suis toujours choquée quand je vais à l'hôtel parce que je trouve ça trop bien. Mais là, je suis encore plus choquée. C'est trop cool. On se sent hyper bien en plus là. On dirait que je suis payée par l'hôtel là pour dire ça. J'ai un problème. Vous voyez, les bottes Jonac, elles sont incroyables. Mais elles sont impossibles à mettre et à enlever. Donc tous les jours, je suis obligée de demander à Jérémy de me l'enlever. Je vais tomber. Tu vois le drame. Un drame, on dirait qu'il y a l'escalier derrière. Non, non, non. N'a pas de sens, comment tu fais quand t'es tout seul? Je te dis. On me dit enlevez vos chaussures, madame. Ah bah je dis enlevez moi mes chaussures. Tu peux me masser les pieds maintenant? Non, vas-y. J'ai fait des photos en peignoir. Maintenant, je dois remettre mes chaussures parce qu'on a envie d'aller voir le spa. Mais je n'y arrive pas. Genre, c'est. Je ne peux pas. Si t'es en retard, c'est dead, tu peux pas mettre ces chaussures, c'est mort, mort, mort. Vous savez que parfois je pète un câble, genre je fais une crise de nerfs. Tu rigoles, mais tu peux. Oh, ça y est. On nous a amené ça pour la Saint-Valentin. Tiens. C'est un cadeau. Coco. T'abuses, ils ont mis que 4. C'est... trop chiant. Jérémy, stop. On oublie trop vite que cette vidéo, c'est une vidéo, on teste un hôtel de luxe pour la Saint-Valentin. Let's go. Trop beau. Avec un petit jacuzzi. Ah, ah, maman. Ah ouais. Ils viennent de toquer à la porte, ils nous ont ramené des petites bouteilles d'eau. Elles sont trop mignonnes en petite. Et ça c'est quoi? Chocolat encore? Mais non. Mais ils veulent nous rendre énormes. Ouah. Les petits... Ouah. Ouais, petit... La nuit, elle est à combien? 700 € pile? Il y a 3 suites mieux que ça. Il y a 800, 900 et 1000 et quelques. En vrai, 700 € la nuit, c'est hyper cher. Enfin, à sortir. On va voir si ça les vaut parce que c'est quand même une suite, une grosse suite. Avec un accès, le spa c'est inclus. Par contre, t'as pas de repas inclus ni rien. Avec petit déj. 700 €, jamais de ma vie j'ai dormi dans un truc à 700 € la nuit. Jamais. Même New York, ça m'a ruiné, mais ça m'a pas coûté 700 € la nuit. Ouais, on est en plein Paris, juste à côté de la Tour Eiffel. Invalide. On va voir comment évolue cette soirée. Au programme, on va aller dans le jacuzzi. On va pas manger à l'hôtel comme ça, je me dis, on va tester autre chose. Donc on va peut-être essayer d'explorer un petit peu, mais on va quand même aller au bar de l'hôtel. J'ai trop envie de ramen. Ah non, okay, tous fait. Ok. J'ai envoyé Jérémy en repérage pour voir s'il y avait des gens en jacuzzi. Et il y a plus, donc il m'a vite envoyé un message. Je me suis mise en maillot de bain et je vais aller dans le jacuzzi. Vous savez ce qui est drôle, c'est que je fais du 41 et que du coup tout est toujours trop petit. J'arrive. Ça par contre c'est hyper drôle. Et moi, mat mes chaussons quand ils sont trop petits. On dirait des babouches. Franchement, choquée. Pourtant, je suis pas très fan de trucs comme ça. Je trouve ça trop intime pour que ce soit un truc public. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, là, comme c'est dehors, la sensation elle est incroyable. Ça, c'est typiquement un truc de Saint-Valentin en vrai. Si tu veux marquer le coup, je pense. 1 hour later. Je suis en train de mourir de chaud. Programme douche. Douche de luxe.
On va se préparer parce qu'on va au restaurant. Mais avant, nous avons des coupes de champagne offertes par l'hôtel. Donc on passe par l'hôtel, on prend nos petites coupes de champagne. Ensuite, on va aller au restaurant. Jérémy, je vous en dis pas plus, je vous dirai tout à l'heure. Il a trouvé un truc qui a l'air plutôt pas mal. En tout cas, c'est trop bien. Par contre, il fait hyper chaud là. Je vais exploser. Mais c'est très cool. Je suis sortie de la douche. Je me suis pas démaquillée parce que je vais pas me démaquiller pour me remaquiller. Comme ça en vrai je vais vous montrer aussi ce que je fais quand je dois me faire une petite retouche make-up comme ça. Parce qu'en vrai je vous montre toujours des make-up etc. Mais pas genre des petites retouches. Et on va commencer à être là-bas parce qu'il est 20h. Et à 21h on doit être parti de l'hôtel. Et il faut avoir le temps de prendre notre coupe de champagne à l'hôtel. Donc je vais mettre un petit peu de concealer là et là. C'est vraiment les endroits où j'ai toujours du make-up qui part. Quand vous faites des retouches au Beauty Blender, faut bien penser à le laver après parce qu'il y a quand même des impuretés qui s'accumulent sur la journée et qui vont sur Beauty Blender, et quand le lendemain vous appliquez votre make-up sur votre peau propre, c'est pas terrible. Bronzer, indispensable, mais indispensable. Le Oula de chez Benefit. On remet un petit peu d'highlighter parce que c'est le soir, on va au restaurant. Du coup, le resto de ce soir, c'est un resto à 6 étapes. Pour mon anniversaire, on avait fait un resto, je crois que c'était 5 ou 6 étapes. Vous aviez trop aimé parce que nous, on est vraiment pas fan. Enfin, c'est pas qu'on est pas fan, mais c'est pas notre truc. Les restos, genre hyper chers, avec un tout petit peu de nourriture, c'est pas notre délire. On avait fait un restaurant qui était pas cher du tout pour mon anniversaire, qui était super. Donc là, on a décidé de faire un petit peu la même chose. On a pris un restaurant et il y a 6 étapes. Autant vous dire que la Saint-Valentin, ça va être au lit en train de dormir et essayer de digérer ce qu'on va manger. Et ça coûte 53€ et il y a en plus du champagne inclus. On espère que ça va être aussi bon cette fois-ci. Donc c'est pas du tout la même chose, mais c'est le même principe, on va dire. J'ai hâte de goûter un petit peu de blush. Là je l'ai oublié, mais idéalement il faut avoir un petit spray. Moi je prends le spray fixateur de chez MAC en petit, parce qu'en fait quand vous mélangez les textures, souvent ça fait des trucs un peu pâtés, et en fait le spray à la fin ça mélange tout et c'est trop beau. On fixe nos sourcils et je vais juste refaire le ras-de-cil de ce côté parce qu'il est un peu parti. La douche, en vrai, j'ai pas trop kiffé parce que c'était, il y avait pas beaucoup de pression et hyper galère à chauffer et tout. C'est typiquement un genre de truc que je dirais pas en temps normal, mais étant donné qu'on teste et que ça coûte quand même 700€, on fait attention aux détails. Dernière étape, les lèvres. Oh non, je suis descendue exprès pour aller le chercher, je me suis trompée. C'est trop dur d'être en duplex, faire des allers-retours. C'est super saoulant quoi. Me dis pas que il était là. Meilleur produit pour les lèvres, Charlotte Tilbury Pillow Talk. Quoi, mais ça crépite. Il y a quoi là-dedans? À l'intérieur, on dirait qu'il y a ça crépite. Et voilà, je suis prête, il reste plus qu'à m'habiller. Et c'est bon, en sachant que j'étais trop bête. En fait, j'ai oublié de prévoir une tenue pour ce soir. Donc du coup, je vais mettre ma tenue pour demain. Vous me jugez ou pas? Elle est remplie à bord. Moi, je vais marcher et je vais marcher pas droit là jusqu'au restaurant. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Ils nous ont proposé un petit accompagnement avec notre coupe de champagne, sauf que nous avons littéralement 6 plats qui nous attendent. Oh. On a pris la vue sur la cuisine. Je suis en train de péter un câble. Je n'ai jamais mangé du beurre salé avec du pain aussi bon. Incroyable. Normal d'être aussi fatigué. Les minuit 16 qui rentrent du restaurant. Wow. Oui, s'il te plaît, enlève mes chaussures. Merci. Mais tu es fou, tu vas me faire tomber.
T'as vu comment c'est un bail? Faut faire un débrief à cette heure-ci là. Verdict. C'était incroyable. Ouais. T'es d'accord? Ouais. Ça change de ouf. Et surtout, tu manges 6 plats. Mais c'est pas 6 énormes plats. Mais c'est pas 6 mini plats non plus. Et c'est ultra travaillé. Ouais, y a trop de trucs. Mon programme, notre programme, aller se démaquiller, me mettre en pyjama et aller dormir. J'ai hâte demain matin de savoir comment j'ai passé la nuit. Parce qu'en ce moment, j'annonce, on va voir si c'est chez moi le problème ou non. Je dors trop mal. Genre, vraiment, je me réveille 100 fois par nuit. Si jamais j'ai besoin d'une suite à 700€ la nuit pour dormir correctement, je pense qu'on va avoir de gros soucis. J'espère quand même passer une bonne nuit. Je me suis démaquillée, j'ai fait ma skincare routine. Bonne nuit. Waouh, ah, il fait beau. On s'est réveillé, on a pris des tenues de sport parce qu'on s'est dit il y a une salle de sport, on va aller faire du sport demain matin au réveil, non. Donc on s'est mis en tenue de sport et là je me rends compte que je n'ai pas de chaussures. Je suis pieds nus. Je pense que je vais y aller en chaussettes. La tisannerie, ouah, il y a de l'eau, ouah. Mais non, mais il faut s'économiser pour le petit-déj. T'inquiète, je vais en prendre 4-5 dans les poches. Objectif, boire tout ça pendant ma séance de sport. S'il y avait genre un espace tapis, j'aurais pu faire mes petits exercices. C'est quoi ça, regarde. Non mais je le mets où? Il y a aucun endroit que j'aurais mis. Je vais pas faire du sport dans le couloir. Mais t'es ravagé toi. Passe-moi tes chaussures. Non, c'est de 43, on pas fou. T'as juste pas envie de me les donner, t'es égoïste. Oui, non, ouais. Je viens de me rappeler qu'on était mercredi. Mercredi, c'est ma journée d'étirement. On a terminé notre séance. Là, la meilleure partie. Je me douche, je me mets en peignoir et je prends un petit déj. Je vous jure que c'est la partie que j'attends le plus dans cette vidéo. Je suis hyper contente. Oui, rebonjour, je vous appelle pour le petit déjeuner. Et est-ce qu'il y a des viennoiseries? Parfait. Ok, parfait. Dans 15-20 minutes, j'attends comme ça. Merci. C'est énorme. Alors là, je suis hyper contente. Trop beau. Nous avons les œufs à la coque, du beurre qui doit être super bon, une salade de fruits, du thé, des yaourts et bien sûr, la meilleure partie, des viennoiseries. Franchement, je suis très 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 contente. C'est bon? Il est parfaitement gris, regarde. Quand tu baignes à 700 balles, encore heureux qu'ils sont bien cuits, les œufs à la coque. C'est tellement bon le Jacob. Moi je veux des tartines de beurre parce que le beurre et le pain c'est trop trop bon. Je vais manger un pain au chocolat, personne pourra m'en empêcher. Mmh. C'est bien de manger dans un lit, tu sais que tu vas pas dormir ce soir. Parce que jamais je mangerai comme ça sinon. Genre la moindre miette te gâche ta nuit. Est-ce que ce serait pas le moment idéal de faire un débrief de notre nuit? Et bah franchement, j'ai trop bien dormi. J'ai dormi d'un coup, je me suis jamais réveillée. Ça n'arrive pas, normalement. Du coup j'ai ma réponse, je dois absolument rester ici pour pouvoir dormir correctement. Et toi? Pas forcément. Ouais, Jérémy, c'est trop dur de qu'il dorme bien. C'est un truc de ouf, le lit il est incroyable. Les coussins ils sont incroyables. Vous savez genre les lits nuages, genre les draps, le matelas, les coussins, tout est nuage. C'est un nuage. Bon bah on s'est habillé, on doit partir, on est trop triste. Il faut tout ranger. J'aimerais bien habiter là, on sert mon petit déj tous les jours. On a fait nos affaires, j'ai le sac le plus honteux de ma vie. J'ai jamais acheté un sac de voyage, un truc comme ça. Un rat ne part jamais sans sa bouteille d'eau. Au revoir, au revoir Jérémy. Je suis triste. Ça y est, on est rentré. Franchement, moi ça m'a fait trop du bien. Nous c'est pas du tout dans nos habitudes d'aller genre à l'hôtel pour la Saint-Valentin, marquer vraiment le coup. C'est vraiment pas notre truc. Là c'était vraiment une suite hyper grande dans Paris. C'est vraiment spécial. En tout cas moi je connais pas du tout tout ça. C'est la première fois et c'était une trop bonne expérience de tester un hôtel de luxe comme ça, 5 étoiles. Après voilà, niveau budget, j'ai envie de dire c'est 700€ la nuit. Personnellement, je ne mettrai pas tout court, peu importe l'hôtel, 700€ dans une nuit. C'est énormément d'argent. Après c'est un hôtel de luxe, je veux dire faut pas s'attendre à ce que ce soit 150€ la nuit. Donc je ne mettrai pas l'argent là dedans. Mais si vous voulez vraiment marquer le coup, c'est trop trop bien, vraiment une suite. Voilà, Saint-Valentin, est-ce qu'on peut faire mieux? Sérieusement c'est trop cool. Ce qu'on a trop trop aimé, c'était que tout le monde était hyper hyper gentil. Alors je sais pas si c'est quelque chose de particulier dans les hôtels 5 étoiles, je pense pas, parce qu'il y a quand même plein de moments où tu payes très cher des choses et le service n'est pas là. Et la gentillesse non plus. Tout le monde était incroyablement gentil. Comment c'est possible? Je vous jure ils étaient tous trop trop gentils.
Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, on est très contents d'avoir fêté un petit peu la Saint-Valentin en avance. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin. Ça m'intéresse. Il faut que je prenne des notes pour les années à venir. En tout cas, bonne Saint-Valentin si jamais vous fêtez la Saint-Valentin. On s'en fout d'ailleurs de fêter la Saint-Valentin. Moi, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin de ma vie. Faut croire que tout va bien. Donc vous mettez pas trop la pression. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Insta. Je suis active tous les jours et j'essaye de répondre à un maximum de vos messages, mais vous êtes nombreux, alors me grondez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo.